Quand je touche, c'est de forme, sinon il n'y a pas d'espace. Viens, touchez. Regarde, vous êtes deux dans le même espace. Voilà. Je connais la quasi-totalité des filles, j'ai déjà matché avec elles, mais c'est quand même plaisant de retrouver le jeu à 15, de retrouver ce groupe-là, que j'avais aussi un peu laissé pendant quelques années. Donc c'est un nouveau groupe, un nouveau challenge et c'est hyper excitant. Ça va être une grosse saison, mais c'est vrai qu'après cette période, on a envie de jouer, on a envie de matcher. Donc on sait que la saison va être longue et qu'il va y avoir sûrement des moments difficiles et encore des inconnus dans l'équation avec le calendrier qui n'est pas encore sorti. Mais voilà, on a envie de s'entraîner dur et 14 mois, ça nous laisse beaucoup de temps pour être de plus en plus performantes. On est juste à côté, je vais nous poser dans les doigts. Je vais nous poser dans les doigts. Depuis des années, on fonctionne main dans la main, 7 et 15. Donc voilà, c'était un choix de ma part déjà que j'avais fait en janvier 2020. Et voilà, d'intégrer le groupe du 15 de France, de préparer cette belle Coupe du Monde, envie de faire des belles choses parce qu'on a des ambitions communes, gagner des titres à 7 comme à 15, être championne olympique à 7, championne du monde à 15. Donc voilà, ça reste dans la continuité des choses, le goût de l'effort, le goût d'être ensemble, de créer un projet, de s'y tenir, de prendre du plaisir aussi sur le terrain. Et donc voilà, c'est avec grand plaisir de retrouver le 15 de France. C'est vrai que quand on joue sur les deux tableaux, 7 et 15, ben c'est compliqué, c'est des rythmes qui sont intenses. Cette année, j'ai des échéances à 15 et je vais m'y tenir. Et ça permet d'y voir plus clair sur la suite de la saison. Oui, bien ça. C'est un groupe que j'avais l'habitude de retrouver, donc franchement, c'est pas nouveau. Je suis contente de retrouver ce groupe aussi. J'ai bien bossé à 7, j'étais bien entourée. Donc voilà, j'ai hâte que ça commence. J'ai trop hâte. Franchement, les premières sensations, premier plaquage, c'est encore, je dirais première Marseillaise, oui et non. Mais franchement, ça fait un moment qu'on y pense, un moment qu'on l'attend. Donc voilà, franchement, c'est que du bonheur là. Franchement, on est bien, il fait beau à Marcoussis, donc on ne peut rien demander de plus. On se connaît toutes très bien. Après, il y a des filles du pôle qui nous rejoignent aussi. Donc franchement, ça fait du bien de tout avoir la banane, de tout être bien reposé dans la tête, dans le corps. Et on a hâte que ça commence. Franchement, la compète, là, on l'a quittée trop rapidement. Donc on a vraiment hâte de retrouver. On a des entraînements communs. Souvent dans l'année, ils essayent quand même d'organiser ça. Donc le projet, on le connaît, que ce soit à 7 ou à 15. Et du coup, les copines, on les connaît aussi. Donc c'est pas compliqué, quoi. Accroché, c'est là, c'est bien. 1, 2, 3. Mamma mia!